c'est Joël le Scorpion. Salut et bienvenue. On se retrouve sur le 8e épisode de Mercenary Saga Chronicle. On est sur le premier jeu de Mercenaries Saga. Et donc, le 8e épisode, 8e chapitre, 8e mission, Dreams. Donc, encore une fois, j'ai monté un peu mes personnages sur les missions Free Battle. Il y a juste Julia qui est en retard parce que, vu qu'elle combat moins, juste ses sorts de soins, elle monte moins vite. Alors, donc la dernière fois, la fin de la mission du combat de boss, j'avais réussi à avoir la rune sword. Ce n'est pas une grosse épée, donc je ne peux pas attaquer en diagonale, mais c'est quand même une arme puissante. Alors, il me semble que oui, j'avais gardé des points pour augmenter les compétences. Alors, on va augmenter la force, 23 points de force. Par rapport au niveau précédent, on va y aller avec ça et c'est tout. On va monter feint. Après, ici, Julia. On a Archer. Concentration et elle. Elle peut augmenter son esquive des attaques avoisinantes. Donc au corps à corps, ça c'est cool. Ensuite, lui aussi va augmenter sa force et lui ça augmente de 5. C'est bon. Après, Julia. Alors, alors le ABN, je ne sais pas c'est quoi. Le STS, je ne sais pas c'est quoi. Et le REST, c'est la résistance. Ici, healing est au max. On a le high healing. Beaucoup trop le mana. Moi, je. Alors, résurrection, 35% des HP, peace, on va augmenter God Wrath et High Healing, et on va augmenter ses résistances mentales. Est-ce que Bastion, non, lui il a pas joué dans la dernière mission. Toi, augmente tes HP, parce que je pense que plus t'as de HP et plus t'en récupères par tour. Donc c'est un avantage d'en avoir beaucoup. Puis on va augmenter Gravity, Icicle. Et puis ici, elle, j'ai transformé en prêtre guerrière. Donc augmente ta dextérité et puis Raise Energy, MPR, c'est les restaurations de. Ah, ok, c'est ça. Plus t'as de MPR et plus tu récupères de points de magie par tour. Je pense que c'est ça. Puis Store. Ok. Alors, on va save au cas où on perd la game pour pas tout recommencer ça. Et c'est parti pour Story.
Ça y est, nouvelle sorte d'ennemis. Les morts vivants. Les... Ah bon. Là, Bastion. Julia. On va prendre Alberto et Becker. Ok, c'est les ennemis qui commencent. C'est des mana pour faire flamme arrow, oui. Oh 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 oh. Miss. Level up. On va essayer de pas trop avancer pour pas que la chauve-souris nous attaque. Et là, t'avais 32% de chance de me toucher. Et le voilà. Pardon. Déjà niveau 15. Alors, Julia, c'est toi qui soigne. Donc, il a perdu environ la moitié de sa vie. Donc tu lui remets 45%. Et voilà, il est comme neuf. Oh, Alberto, tu n'as pas beaucoup de variété de magie. Juste 80. Boum. Oh. Bon, bah, elle a gagné son niveau ou... Et. Ok. Bon, lui, il a envie de se suicider. Throwing Stone. Alors. On va faire plus d'XP à faire Gold Rat sur lui, 95%. Et voilà. Ok, donc tu vois maintenant ici dans la bonne direction et tu fais investigate. Ok, il va être confus. Oui, non. Ouais. Good. Ouvrez les coffres avec Bastion. Alors, first aid. Ah, c'est vrai que j'ai une plus longue portée maintenant avec Claudia. On va la protéger avec Pion qui va lancer un couteau. Est-ce qu'il aura assez de portée avec Airblade? Oui. Donc, normalement, capote la chauve-souris. Voilà. Ok. Chauve-souris a une longue portée également. Alors lui, la confusion, il peut juste bouger. D'accord. Au moins, il se met pas à attaquer les alliés. Non, je vais mieux de garder. Voilà, ça fait plus mal ça.
Peut-être blesser d'abord. Ou le tuer peut-être. Ouais. Oh, il y a deux trésors. Pas vraiment vu quelle case c'était. Ah, il me semble que c'est cette case-là. La question c'est que si lui y va, est-ce qu'il peut faire un investigate? Il y a la tour-ci. Donc je sais pas si le fait de faire store ça fait ça gagne de l'XP, j'ai pas fait attention, faudrait que je regarde pour la prochaine fois. Alors pour l'instant, ce que j'ai remarqué dans le premier épisode du jeu, c'est qu'apparemment, à part d'être à gauche, à droite ou en arrière de l'ennemi, on fait plus de dégâts, mais les hauteurs n'ont pas l'air de changer quelque chose. Poison, je pense pas que ça marchera, on va faire un pulse. Ok, alors la hauteur ici, ça le protège quand même. Spear, ça fait 75 et Airblade, ça fait 30. Donc on va y aller avec un Land Spear, mais on va faire une case de moins. Ça devrait suffire, c'est ça. Ouais, tu devrais pouvoir aller le finir. Boum boum boum. Oh. Et les renforts, ils peuvent attaquer directement. Ouh. Ça fait mal. Bon, ça y est. Oh. Bon. Pensais qu'ils allaient finir ma Julia. Donc. J'ai pas pris le bon sorcier. Hein. Là, faudrait prendre Claudia, puis faire un Flame Arrow. Merde, j'ai pas assez. Neuf de dégâts, ça, je vais me prendre un 24 de retour. Attaquer le crâne ici. Normalement, ils sont pas sensibles à Landspear, le crâne. C'est ça, je fais 0. Et Airblade, ça fait 29. Et sur lui, ça fait 36. Et Landspear, ça fait 75. Allez hop. Toujours confus, mon Léon. Je vais prendre une potion de 100 points de vie. Alors lui, en quel sens il est? Alors est-ce que je soigne ou je balance un rat? Good rat. Ok. Ah, 72%, ouf, mais bon, ça passe. Et il reste Léon.
il sert à rien. Ça fait mal dans le dos. Heureusement, j'ai Julia qui va pouvoir la ramener. Ah, saloperie. Pas apporter de ça. Un protoc. Donc, je lui garde de la mana. Toi, faut qu'il prenne un coup pour perdre son truc, son malus. Alors, skill, tu vas soigner lui. Bon, j'ai été chanceux avec les deux crânes et le premier squelette, il n'y en a aucun qui a eu le survive. Ouf, heureusement que j'ai mis protect. Ah, ok, confuse, fini, enfin. Bon, allez, dégomme-le. Survive peut arriver qu'une seule fois, je pense. Donc, toi, tu fais. Et tu défends et pas assez. Pas assez de points de magie. Ok, yes. Ah, je m'en doutais qu'il y aurait un nouveau renfort. Ok, bon, au moins, son spell a raté. Ah, malédiction. Non, non. Comment tu peux rater ça?
Et hop, là voilà, niveau 15 a été niveau 13. Et puis toi, tu te prends un Airblade, sauf que j'ai pas besoin de mettre le niveau max, juste celui qui donne 4 de range, et on est bon. Ok, ouais, lui il bouge pas carrément. En espérant qu'il n'est pas piégé, ce coffre-là. Ok, il a juste reçu Seal, donc il ne peut plus faire de compétences. De toute façon, on va abattre l'ennemi en un coup de flèche, donc on va peut-être juste passer des tours. Ok, j'ai vu qu'il y avait quelque chose ici. Donc on va faire un Investigate. Voilà, une Soul Stone, good. Hop, ouais, je peux soigner. La portée est toujours de 3, donc t'avances deux cases. Je trouve que les soins en pourcentage, c'est intéressant, mais ça peut être abusé. Ah, j'aurais dû tester de faire store pour voir si ça donne de l'XP. Je pense que oui, toute action donne de l'XP, c'est juste rien faire qui donne pas d'XP. Ok, bon, il avait toute sa vie, c'est pas grave s'il se soigne. Donc, là on va faire un tour pour que les gens gagnent de l'expérience avant qu'on tue le dernier spectre. Donc on a trouvé un stimulant ici. Donc toi, tu vas faire du God Rat. Boum! Là, toi, tu vas faire Airblade parce que ça fait pas beaucoup de dégâts. Là, toi, oups, tu fais First Aid. Ah, je vais encore tester le Storm, tant pis. Et puis, toi, ah, toi, t'es scellé, donc tu vas attaquer dans le duo. Ah, pour finir, Claudia, c'est pas elle qui donne le dernier coup. Et 4800 de SP bonus. Ok, on va devoir aller dans le désir, mais donc là on sauvegarde pour cet épisode. Oups.
Il déconne. Hop là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des autres vidéos de la chaîne. N'oubliez pas de cocher la cloche de notification et n'hésitez pas également à mettre un commentaire. Quant à moi, je vous dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.